Donc je sais pas pourquoi est-ce que ça fait ça. Vous pouvez voir que les gens qui se téléportent à l'accueil, bah ils sont au-dessus de ma tête là-bas, vous pouvez les voir. Hey, salut à toutes et à tous les copains, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur la chaîne. Aujourd'hui les copains, j'ai encore trouvé un glitch sans faire exprès. Pour te dire, j'ai tourné 3 vidéos d'affilée et en tentant un glitch, j'arrive à en trouver des autres sans faire exprès. Parce qu'en fait, cette technique, elle permet de trouver plein de glitches différents. Et là, j'ai trouvé une méthode pour retourner sous la map de Fortnite. Ça avait été patché selon certaines îles et selon aussi certaines mises à jour. Mais là, du coup, il y a une toute nouvelle méthode que je viens de trouver pour retourner sous la map. Je vais vous l'expliquer, en vrai c'est super simple, il faut faire la même technique, mais avec un objet en particulier pour que ça puisse marcher. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Si jamais juste avant de commencer les explications les copains, je vous rappelle pour tous les petits nouveaux de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne YouTube. Et également pour ceux qui sont déjà abonnés, bon bah je compte sur vous mettre le petit pouce bleu. On va essayer de faire 300 likes sur cette vidéo. Je pense qu'on pourrait les atteindre. En ce moment vous y êtes presque hein, mais c'est encore un petit peu compliqué. Dans la description il y a mon Twitch, où il y aura les streams du soir. Et il y a aussi tous mes réseaux sociaux, si vous voulez peut-être venir discuter ou parler. Ah ouais c'est vrai que je le dis plus aussi souvent, mais n'hésitez pas à mettre votre compte Epic Games dans votre commentaire. Je vais bientôt du coup prendre quelques personnes pour faire des cadeaux. Pensez à mettre le code créateur FI dans votre boutique d'objets, c'est super important. Et puis pensez à mettre votre compte. Donc là on se retrouve sur le jeu, donc pour faire ce glitch les copains il faudra aller en mode créatif ou bien en terrain de jeu, hein, les deux fonctionnent. Vous allez aller dans votre île, ok? Vous allez dans votre île et il va falloir refaire la petite technique qui vous permet de vous transformer. Donc pour ça vous allez dans votre inventaire, vous prenez un transformateur, donc c'est l'objet du prop hunt là, enfin vous m'avez compris. Vous allez vous mettre en fly, donc pour ça vous activez le vol du joueur, hein, sinon ça fonctionnera pas. Vous vous collez à la faille et cette fois-ci vous devez vous transformer et prendre une tomate. Donc voilà, vous prenez dans votre inventaire créatif une grosse tomate comme ça ou un gros objet et vous le mettez en face de vous et vous vous transformez en tomate. Moi j'ai choisi celui-ci. Vous appuyez deux fois sur la touche pour vous transformer. Hop. Donc dans un premier temps ça va vous faire du coup revenir à l'accueil de Fortnite en étant une tomate géante. C'est un premier glitch qui sert pas vraiment à grand chose, mais vous pouvez déjà vous troller vos amis en vous baladant en tomate géante. Mais c'est pas ça le glitch le plus important. Ensuite, vous devez retourner directement dans votre île une deuxième fois. Voilà, ça va vous re-téléporter. Vous allez toujours être une tomate géante. Vous reprenez un pistolet dans votre inventaire créatif pour vous transformer. Vous allez vous mettre en fly à côté du téléporteur. Vous allez reprendre et resélectionner la tomate une deuxième fois. Enfin, s'il veut bien sélectionner. Parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'il veut plus. Donc voilà, je sélectionne la tomate et je rappuie encore une fois dessus. Donc là, ça va vous re-téléporter encore à l'accueil. Sauf que là, comme vous transformez en tomate, comme... je serais pas expliqué, mais en fait, le jeu n'arrive pas à vous caser. Vous êtes tellement grand quand vous faites ce glitch avec la tomate une deuxième fois, mais comme ça duplique encore votre taille, vous rentrez plus dans la zone de spawn, on va dire. Et du coup, le jeu va vous faire réapparaître une, deux et puis trois fois. Et pour définir, le jeu va péter un plomb, il va vous faire spawn sous la map. Donc je sais pas pourquoi est-ce que ça fait ça, mais en tout cas, ça le fait. Voilà, je l'ai fait sans faire exprès en fait, en essayant des glitches, et ça m'a téléporté en dessous de la carte. Donc voilà, là vous êtes en dessous de l'accueil. Vous pouvez voir que les gens qui se téléportent à l'accueil, bah ils sont au-dessus de ma tête là-bas, vous pouvez les voir. Voilà, il y a ceux au-dessus de ma tête. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire ce glitch avec l'île principale aussi. Faudrait essayer avec des objets un peu plus grands, le faisant du coup plusieurs fois d'affilée. Mais bon voilà, vous pouvez du coup vous amuser à vous balader puis à explorer en dessous de la carte. Donc, du coup voilà, c'est tout pour ce petit glitch. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu et puis les copains abonnés à la chaîne, ça ferait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres vidéos de glitch sur la chaîne YouTube. C'était Raifid, c'était votre tonton Tacos. Ciao ciao. Fighting to stay in my face, live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty and